Hey yo tout le monde, c'est Maestro, on se retrouve pour un nouvel épisode de la Carrière Manager avec Manchester City les gars, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Donc dans cet épisode on va affronter Brentford comme vous voyez, c'est aussi le début du mercato hivernal. Il y aura un match de coupe face à Brighton, on verra si on fait deux matchs ou trois matchs. Et plus peut-être du coup le match face à Nottingham Forest. On est pour l'instant deuxième, mais bon on a une journée de retard. Normalement on est premier, donc faut absolument gagner. Bernardo Silva nous a quittés. Tac tac, le retour du blessé. Ça c'est Hakimi, parfait. Tac tac tac, ok. Après ici. Ouais, Declan Rice, ok. Donc les gars, il y a aussi Kingsley Coman qui vient d'arriver dans notre équipe. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va mettre Kovacic plus dans les réservistes. Hein, dans les réservistes, pardon. Tac, voilà, non, tac, et ici, du coup, Kingsley Coman ici, pour l'instant, je le mets dans les réserves, dans les remplaçants, mais bon, on le mettra petit à petit titulaire, ça, y a aucun souci, les gars, faut juste voir où est-ce que je vais le mettre titulaire, vu qu'on a Théo Hernandez aussi, faut voir, faut voir, faut voir, donc, là, par exemple, on joue dans une semaine après, donc, en vrai, on peut laisser les joueurs même un peu fatigués. Ok, on va juste mettre par contre Kingsley Coman ici, Lewis ici, et tiens Declan Rice, pourquoi, non Kovacic, pourquoi pas le faire jouer, et puis c'est parti avec cette équipe, du coup il y a Hakimi quand même sur le banc, même s'il est encore un peu blessé, et On est Kingsley hypé, Coman les gars qui on est va faire prêt, ses sans plus débuts tarder, je avec veux nous, voir les débuts de numéro ce 7 joueur, dans le dos en peut-être plus, sur l'écran on va au voir ce moment que où ça on va donne partir, direct, et c'est dans quelques dès le minutes. début. Je pense que ça va être une très bonne recrue, surtout Salut en à mode tous, piston. direction Manchester, on se Ça peut être retrouve très avec très Mickey très Arrieta intéressant, les Stadium, gars. en Donc, commentaire, Benjamin Da Silva, on va voir et ce qu'il donne le là. En plus, soleil c'est pas le du meilleur drapeau des argentin, adversaires Bernardo en première Silva, ligue. Donc, c'est le premier jour ça de fait une la petite nuit, décision adaptation. peut Mais toujours bon, c'est changer, un match quand même avec de match de poule, l'intensité. Manchester Donc, on City va voir surtout contre qu'il faut Brentford. défendre, Oh là là, attaquer et meilleur plus but, défendre, on c'est va la dire. norme Donc. idéale, deux bonnes Mais bon, ennemies, après, il a déjà joué deux piston, essais, hein. allez, Kingsley c'est parti, Coman, Josh Mickey Mashah, ouah, le but qu'il met, incroyable. magnifique passe, Le contrôle décisive, orienté, les gars, il est magnifique, magnifique, hein. quelques minutes de jeu, Oh là là. c'est beau, Il et nous c'est a mis dans le vent, bon. 1-0 pour Brentford, du coup. Le jeu reprend après ce but concédé par Dès les la Citizens. sixième minute de jeu, là, ça fait mal, quand même, hein. Foden, mais oui, il est trop fort. Sur le côté, c'est Phil Il est Foden trop qui va fort dans ses avancer, la percussions tête comme est ça. décisive, Phil Foden, les gars, un Mickey partout. Arrieta, la 8 minutes remise de est prise jeu, pour il y a déjà Liverpool. deux buts, un Quel partout. élan incroyable, à peine le C'est un match deuxième, très et très c'est chaud, hein. déjà Ça l'égalisation. commence très très fort. Bien joué Phil Allez, joueur de Foden qui marquer, continue donc sur 1 partout. ses excellentes performances. Ok, bien joué. Ok, Rodri. Kingsley Coman. Foden. Ouais, Coman. Coman reçoit le ballon. Foden. Avec Phil Foden. Ouh, la frappe. L'enroulé, mais bon, Et c'est il bien s'adapte capté en par le défense. gardien de Bon mouvement du Brentford. gardien. Bien joué Théo Hernandez. D'ailleurs, lui, les gars, il est trop fort. Avec Kingsley Vraiment, il Coman. a sa place de titulaire. Kingsley Bon, Coman il pour faut un défendre. centre. Oh, dommage. Ça aurait Ah, pu la finir menace au est fond des gagnée. filets. Le danger Mais est bon. détourné. Bien capté par Raya. Le goal de Brentford. Bien joué, Foden. Et c'est pour Phil Foden. Bien joué. Et maintenant Coman. Coman. Coman Ah, mon d'avance gars, pour faut stopper exploser l'attaque. là. Oh là, oui, ça. La Ils ont passe une n'a pas bonne été attaque, contrée. Brentford, quand même, les gars. Il y a des beaux noms. Le danger est toujours présent. Le lob, et Le yes, c'est ballon au-dessus, piqué, parfait. passe d'avant très proche. Toujours un partout. Le geste juste On au se fait pas moment surprendre. exact. Pas Bien d'échange sur joué. ce coup-là. Hernandez, De Bruyne pour Haaland. Avec Kevin De Bruyne. Oh Belle jouée purée. remportée en défense. Belle anticipation. Dommage là. Bien joué Rodri. Phil Bien Foden joué reçoit le ballon. Foden. Mais Oh, quel dans les geste. La pieds, je position l'ai est coupée. Il demandé. tennis. Oh, il abuse. Et oui, ça, il est fort, hein. À Il projette tout Brentford, droit le là, but les de gars, ailier l'adversaire. gauche. Vraiment pas mal. Il n'arrive pas à lui prendre la balle, Mais en le ballon plus. qui Il manque tout obtient droit la sur le faute, petit carrément. vif. Ok, Pas il est faute, chaud, il est arbitrage chaud. dit faute. L'arbitre donne le coup franc. Un Allez, point on l'a. d'excès d'engagement Bien sur cette joué. action, même si l'arbitre se Il est contente de oui. signaler la faute. Pour Et il Phil va falloir Foden. se contrôler un peu pour éviter le jaune à la Mais prochaine oui, minute. Phil Foden, c'est magnifique. Phil Foden reçoit le ballon. Foden. Et si l'occasion pour mener. Mais Et oui, le but magnifique. La assuré petite touche pour sur aller un sur son pied début gauche, je pensais immense, qu'il allait sans se doublé. faire prendre la balle à Yes, ce moment-là, penalty, mais non. Il arrive à mettre son insaisissable. plat du pied.
2-1, du coup on prend l'avantage, doublé de Foden. Les gars, c'est le meilleur joueur de notre équipe, je pense. Hein. Devant Erling Haaland, hein, même s'il a moins de stats, c'est vraiment un truc de ouf, comment il est trop fort. C'est tout simplement magnifique. Dommage. Bien joué, Stones. C'est beau. C'est l'équipe visiteuse qui a la possession du ballon. Oh là, non, oui, ça, yes. Encore une belle parade d'Ederson. Et le ballon change de propriétaire. Oh, dommage. Oh, heureusement qu'il a raté son contrôle cette fois-ci. Parfait. Allez, Kevin De Bruyne. Ah bon, allez la mettre par-dessus pour Erling. En sachant comment il va vite et comment il est puissant, ça aurait pu donner quelque chose. Mais bon, mi-temps, on gagne 2-1 du coup. Ben, on va attendre qu'Alandi marque avant de le remplacer. Bon, après, ça se trouve, il va pas marquer. Mais bon, on va lui donner du temps de jeu encore. Gravdjol. Haaland qui veut pas partir. Mais il va partir quand même. Erling Haaland, voilà, il a son face-à-face. La frappe et le but, les gars. 3 minutes seulement après la mi-temps. Il marque. Passe décisive de Kevin De Bruyne en plus. Donc, 3-1 dans ce match. C'est tout simplement magnifique. Les supporters, ils sont plus que contents. Nous, on va reprendre la première place de la première ligue. C'est parfait. 28e but de la saison pour Erling Haaland. C'est tout simplement monstrueux. Rodri, mais oui, c'est bien joué ça pour Kingsley Coman. Oh là là, Kingsley Coman. Ah, dommage. Dommage aussi Kovacic. Un bon contre à jouer peut-être. Bien joué. Le mercato avec un joueur. Nabil Fekir qui signe à Manchester United, c'est pas mal ça. Et Phil Foden, les gars, il est trop fort. On l'a encore vu là. Oh là là, la frappe de Kevin De Bruyne, elle était magnifique. Dommage que ça rentre pas. De Bruyne vers Haaland, non. Ce sera pour Kovacic. Ah, purée, pourquoi c'est contré. Oh là là. Oh là là, non, il y a hors-jeu, il ment. Oh, il ment. Est-ce qu'on voit le ralenti des hors-jeux? Parce que là, les gars, ça doit se jouer à rien. Gravdjol, la poste, elle est parfaite. Purée, ça se joue à rien. Là, les gars, avec la nouvelle règle du hors-jeu qui vont sortir, ça se trouve. Il faut que ça soit le corps hors-jeu. Le corps entier qui doit être hors-jeu. Là, il y aurait eu but d'Haaland, mais bon. C'est pas grave. Attention, bien joué Gravdjol. Bien joué. De Bruyne. Bien joué ça pour Kingsley Coman. Avec Kingsley Coman, ce centre mérite beaucoup plus d'application. Ok. Oh purée. Bonne intervention sur cette passe. Ruben Dias, oui. Kevin De Bruyne. Pour Haaland. Bon, oh, ça passe à ras du poteau malheureusement, mais bon. Ça rentre pas. Hein. C'est à côté. Allez, on l'a. Gravdjol, je te fais confiance. Mais oui. Mais oui, De Bruyne. Mais oui. C'est beau. Ah, Gravdjol qui arrête sa passe, purée. Un but marqué par Adama Traoré sur un ballon repris. Oh là, attention par-dessus. United qui est mené par Wolverhampton. À domicile en plus. Ça, c'est bien ça. Il me semble qu'ils sont derrière nous. Et au programme de ce qui nous attend, ça sera ce match De Bruyne, parfait. En notre compagnie, Manchester City à Brighton. Oui, ce genre de match, okay. Les rencontres de coupe, tout... Pour Phil Foden, oh là là, Foden tout proche du triplé, les gars. Ça aurait été magnifique. Kevin De Bruyne, le corner vers Haaland. Oh là là, la tête d'Haaland aussi, là, elle était magnifique, mais bon. Belle parade du goal de Brentford. Au deuxième, mais malheureusement. Repoussé, enfin pas cadré de la part de Ruben Dias plutôt. Toujours 3-1. Après ça va hein, les gars, on a la victoire, 2 buts d'écart en plus. Sachant qu'en plus on a beaucoup d'occasions, mais bon, juste on les concrétise pas assez. Justement à la Foden, il a l'occasion de mettre son triplé.
et Phil Foden le triplé à la 90e minute de jeu, les gars. Magnifique. Il a mis un triplé, les gars. Il est extraordinaire, c'est incroyable. Donc une très belle victoire à domicile devant nos supporters. Parfait, parfait, parfait. Oh, oh là là, Phil Foden. Oh là là, ça revient pile sur Haaland. Doublé d'Haaland, triplé de Foden. 5-1 du coup, face à Brentford. On a mis 2 buts en 2 minutes là en fin de match. Magnifique. Du coup, très très belle victoire. On reprend la tête de la première ligue. Phil Foden y prend le ballon du match. Les gars, c'est son premier triplé de la saison. Wolverhampton, ils ont battu United. Et Aston Villa, ils ont battu Leicester, il me semble. Si j'ai bien vu. Donc là, on va jouer le match de FA Cup face à Brighton. Ça va être pas mal. Off de prêt, non, de transfert pour Fiorini. Hop, on va accepter. Sans souci. Tac, on continue. Match à l'extérieur face à Brighton. Attention, 32e de finale de FA Cup. On veut la remporter. On s'est déjà fait éliminer de la Carabao Cup. Là, on n'a pas envie de se faire éliminer du tout. Donc, faut gagner. Faut gagner. L'équipe type est en forme. Mais Hakimi est encore blessé. Pourquoi les mettre qu'il est encore blessé? On va mettre Kingsley Coman titulaire encore une fois. Hein, du coup, c'est parti. Let's go pour ce match face à Brighton. Qui va être un très très beau match. Mais bon, faut les écraser directement. Parce que eux, les gars, s'ils prennent la confiance, derrière, ça va être chaud. Hein. A marqué 3 buts dans le dernier match, Phil Foden, exactement. Il est trop fort. Allez, c'est parti face à Brighton. La pelouse, elle est belle en plus. Le stade, il est pas rempli par contre. Peut-être qu'il va se remplir petit à petit. Oh non, dommage. Phil Foden, en tout cas, c'était une très bonne idée. Ah, dommage. Bien joué, Stones. Incroyable, ça. Bien joué, Ruben Dias. Oh, purée. Bien joué, Rodri. Pour Foden, mais Foden. Aïe, 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 les gars, ça se joue à une passe hein, depuis tout à l'heure. Ok, bien joué, Stones. Foden. Mais oui, pour Erling Haaland. Haaland face au gardien, la barre touchée par Haaland. Comment ça se fait? Oh là 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 là, les gars. Bien joué. Rodri, mais oui, on change de côté assez rapidement. Foden pour Haaland. Haaland, oui, il se bat vraiment de fou, Haaland. Là, le tacle, juste pour pouvoir la toucher. Mais bon, il la touche et ça finit au fond. Donc, heureusement qu'il a fait ce tacle au final. 1-0 face à Brighton, magnifique. Passe D de Foden, du coup. Et but d'Erling Haaland. Le duo est trop puissant, les gars. Ok. Ok, Kingsley Coman. Oh non, Haaland, c'est dommage. Purée. Ok. Bien joué, Rodri. Haaland. Oh là là, mais quelle frappe, les gars. Doublé d'Erling Haaland. Il est vraiment trop fort. C'est un truc de ouf, les gars. Oh là 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 là, il est vraiment puissant. Il frappe de loin. Frappe de près. Pouf. Il est surpuissant. Du coup, bien évidemment, là on mène 2-0 dans ce match. On a bien respecté qu'on a dit. Ne pas laisser Brighton prendre la confiance. Et voilà, là on les enterre encore un peu plus. 3-0, 35e minute de jeu. Allant de triplé. Oh là là, magnifique début de match. Hein.
sur les 30 premières minutes, on est injouable. Ils n'ont pas beaucoup la balle. Le stade, il commence déjà à se vider. Oh là là, les pauvres, ils n'ont pas beaucoup de soutien en plus. Il y a un joueur Rodri, mais c'est incroyable. De Bruyne. Pour Haaland, encore une fois. Haaland, nouveau face à face. La frappe barre en 30 cette fois-ci. Hein. Magnifique. Quadruplé d'Haaland en 40 minutes, les gars. Il est vraiment trop fort. C'est incroyable. Brighton, ils n'y arrivent plus. Hein. Ils n'arrivent même plus à jouer. Allez, on continue d'en mettre, nous. Hein. On ne s'arrête pas. Ah, purée. C'est bien vu, dans le dos. Ok, on l'a. Et finalement, c'est non, parce que la défense a repris ce ballon. Elle a bien joué, ok. Allez, deuxième mi-temps, on en remet encore. Nous, il y a tous nos supporters, il n'y en a aucun qui est parti. Alors que, regardez, la tribune en face, là, elle est presque vide. Enfin, presque. Il y a encore du monde, mais bon. Comparé au début du match, il n'y a plus personne. Bien joué, Coman. Allez, on l'a. On le sert. Faut pas leur laisser le ballon. Bien joué, Foden, magnifique. Même si derrière, ça sort en touche, malheureusement. Oh. Allez à Konji, bien joué Stones. Pour Rodri. Mais oui, magnifique. Haaland. Oh non, c'est quoi cette parade du goal là? Allez, Kevin De Bruyne. Le corner, Guardiola. Bon, ça sera encore pour Kevin De Bruyne. Au deuxième vers Rodri. Il a tenté le ciseau. C'est pas un joueur que je vois faire un ciseau, mais bon. Il a tenté. Dommage que ça soit pas rentré. Stones. Pour De Bruyne. Ok, belle fin de frappe là de la part de Phil Foden. Corner gagné par Kingsley Coman. 65e minute de jeu. Allez, on peut en mettre un là. Mais oui, magnifique ça, Ruben Dias. 5-0. Magnifique corner tiré par la... Oh là là, j'ai bug. Magnifique corner tiré par Kevin De Bruyne. C'est parfait, magnifique ça aussi, la récupération. Foden. Pour Haaland. Pour Foden. Oh purée, Foden, je te l'ai demandé dans les pieds. Aïe. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Oh. Ah oui, il est pas hors jeu. Welbeck n'est pas hors jeu. Et attention. 5-1. Purée, on n'a pas su garder notre clean sheet. Ah, ça fout la rage, ça. Purée. Oh, Foden. Mon gars. Bien joué Stones. Eh oui, c'est bien défendu. Mais magnifique ça. Magnifique ça aussi, Rodri. Pour Kingsley Coman. Oh, pour Kevin De Bruyne. Oui, comment il se l'est emmené les gars. On dirait le but de Benzema avec l'équipe de France. Un aile de pigeon un peu. Bon, Benzema c'était encore plus complexe. Mais bon, là, comment il se l'emmène Kevin De Bruyne. Vraiment, c'est un but magnifique. Incroyable les gars. On va faire entrer Hakimi, tiens. Hop, aile de pigeon, boum. Direct, ça enchaîne. Et le stade qui se vide de plus en plus. Hein. Je crois que c'est la première fois que je vois autant un stade vide dans FIFA. 6-1, les gars. C'est trop. Ok, Welbeck pour marche. Bien joué, ça, Hernandez. Bien joué, Hernandez. Allez, on y va. Mais oui, pour Erling. Erling qui va repiquer dans l'axe, Erling, la frappe. Purée, ça donnera rien. Bon après 600 c'est quand même déjà suffisant. On l'a, bien joué Stones. Bien joué Haaland. Oh, j'avais appuyé L1 triangle pour Stones, mais bon. La balle est pas partie.
Du coup, les gars, c'est fini. Victoire 6-1 ici. Haaland qui récupère son ballon du match. Les gars, on vole tous les ballons du match. Hein. On met que des triplés. C'est un truc de ouf. Aston Villa, ils sont qualifiés. Fulham aussi. Ok, il n'y a pas eu de surprise sur ça. Donc, on passe au prochain tour. Boum, Fiorini. On accepte toutes les offres. Dommage, les gars, il n'y a pas un truc qui fait que ça accepte les offres automatiquement. Comme ça, on n'aurait pas besoin à chaque fois d'accepter là pour les mêmes joueurs. Kevin De Bruyne, non, ils sont fous. Hein. Kevin De Bruyne, c'est invendable. Il reste ici. Transfert, Fiorini, il n'est pas parti encore. Oh là là. Jack Grealish offre de prêt. De la part du Real, ils le veulent en prêt. On va rejeter tranquillement. Hein. On le garde. Ça reste un bon joueur sur qui je compte. Donc, on va jouer face à Watford, prochain épisode. Les gars, je suis à deux doigts de laisser partir Alvarez en prêt. Hein. Parce qu'en vrai de vrai, est-ce qu'il a envie de rester en remplaçant? Bon, pour l'instant, on va laisser comme ça. On verra plus tard. Si je trouve une doublure d'Haaland, on peut le laisser partir, à la rigueur. Mais si j'en trouve pas... c'est mort, on pourra pas le laisser partir, donc on verra. En tout cas, c'est parti, dernier match de cette vidéo en première ligue. Faut prendre les 3 points absolument. Équipe type directement avec Hakimi cette fois-ci, pas Kingsley Coman, mais qui s'est remis de sa blessure. Kingsley Coman nous le fera rentrer, hein, y a aucun souci. Donc let's go pour le dernier match de cette vidéo. Haaland qui est déjà à 29 buts, les gars, on est qu'en janvier. Hein. C'est une folie. Là, il peut passer la barre des 30 buts. Après le record, il y a les 4-36. Il reste à peu près 18 matchs ou 15 matchs. Donc, non, 15, 16 matchs exactement, il me semble. Parce que là, c'est la journée 22 jusqu'à 38. Ouais, voilà. Donc, les gars. Waouh, c'est stylé là, les supporters de Nottingham Forest avec les écharpes. Ils ont tous sorti leur écharpe. Oh, Phil Foden, dommage. Il avait tenté une feinte de frappe, il l'a faite, mais je sais pas ce qui s'est passé après. Attention. Allez. Ok, on l'a pas. Lingard qui change de côté, mais non. Bien intercepté par Kevin De Bruyne. Bien joué. Bien joué. Magnifique. Magnifique la sortie de balle. Incroyable. Incroyable ça pour Hakimi. Hakimi. Oh, dommage. Quoi? C'est Hakimi qui a fait ça là? Bon. S'ils le disent. Hakimi. Bien joué mon grand. Rodri. Ok, De Bruyne. Oui. Mais oui, Haaland. Oh là là, encore un but de Phil Foden. Non, les gars, la connexion Phil Foden-Haaland et même De Bruyne. Vraiment, le trio, il est incroyable. Même toute l'équipe. Hein. Toute l'équipe est incroyable, les gars. Et notre façon de jouer, la composition, il y a tout. Tout, 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 tout. 1-0, 20e minute de jeu. On marche sur tout le monde et cette deuxième partie de saison, les gars. Objectif, ne perdre 0 match. Alors ça va être dur, mais c'est possible. On le sait. Et voilà une bonne récupération, là. Ça va nous de rester concentrés. Bien joué Graviol. Rodri. Haaland, il a surpassé sa passe, Piré. Oh, Dembélé, il est chaud. Hein. Ah, le ballon intéressant. Bien joué Ederson. Magnifique ça. Oh là, Stones. Bien joué. On est ultra solide. Ok, j'ai gagné la touche, oui. Bien joué. Bien joué. Oh là là, c'est simple. C'est simple le foot quand on se prend pas la tête, les gars. Le ballon pour Hakimi. Eh oui. Oh, j'ai cru que ça allait terminer dans la lucarne de Navas. Je me suis dit, c'est bizarre, il la prend pas.
Rodri au deuxième, malheureusement non, ça sera pas pour lui. Bien joué Ruben Dias. Akanji. Il y a De Bruyne. Mais oui, pour Hakimi. Oh, la parade de Navas. Dommage. Phil Foden qui était à deux doigts du doublé. Oh là là, je sais pas c'est qui s'est jeté comme ça. Oh là là les gars, l'enroulée de De Bruyne, elle est magnifique. 2-0. But du capitaine Kevin De Bruyne, les gars. Il est tout simplement phénoménal lui aussi. Hein. Oh là 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 là, les gars, on est en train de marcher sur tout le monde. Dans cet épisode là, c'est vraiment grave. Incroyable prestation encore une fois de notre équipe. Ok, bien joué Stones. Non, monsieur l'arbitre. On allait marquer avec Haaland, mais bon, il a sifflé la mi-temps. Donc 2-0. C'est parti pour un deuxième mi-temps. C'est le début de la seconde période avec cette belle avance en faveur de Manchester City. Ah, dommage. Hakimi. Ben oui, magnifique. C'est bien défendu. Ok, ok. Wouah, comment il s'est mis devant Hakimi, lui. Jesse Lingard. Bien joué. Excellent timing sur cette interception. Non, Stones, pourquoi il s'est retourné un moment? Oh, mais Stones! Il intercepte bien, il contrôle bien, et après il fait une touche en trois à chaque fois. C'est dommage. Voilà, tu te retournes, passe. Oh, purée. Farias qui signe à Newcastle. Bon, on verra ce qu'il donne, hein, s'il joue contre nous. Bien joué. Bien joué. D'après les chiffres, magnifique. Haaland pour De Bruyne. On voit bien que la progression des passes dans les zones dangereuses s'appelle. Attente, regardez ce qui s'est passé. Oh là là, et de base, les gars, je veux pas vous mentir, c'était une feinte de frappe. Mais bon, Haaland, il a décidé autrement. Il a frappé. 30e but pour lui cette saison. C'est vraiment un truc de fou. Et quelle passe aussi de Kevin De Bruyne là, entre les joueurs de Nottingham Forest. Contrôle, frappe croisée de Haaland et 30e but de la saison pour lui. C'est tout simplement historique ce qu'il fait. Il peut mettre 40 buts faciles après 50. Je pense que ça va durer en 19 matchs, il en a mis 30. Donc en 38 matchs, normalement, il peut en mettre 50. Hein, si on suit la logique, ça va être compliqué, mais bon. On sait que c'est possible. Bien joué. Ok, la faute, ouais. Ouais, on va faire entrer Declan Rice hein, pour les 20 dernières minutes de ce match. Ça va lui donner du temps de jeu. D'ailleurs, lui, je sais plus si je l'avais mis sur la liste des prêts ou des transferts, mais faut que je pense à le faire après ce match, puisqu'il a signé à Arsenal, donc on n'en veut plus de notre équipe. Même si c'est un bon jeu, hein, mais c'est pour le réalisme. Bien joué Graviol. Oh là là, la percée de Graviol. Avec le centre au deuxième. Oh, genre, il n'y a personne là pour. Oh. Ok. Ok. Ça joue, hein, côté Nottingham Forest, là, pour l'instant. Bon. Ça va pas jouer longtemps. Mais bon, ça va rejouer peut-être. Bien joué, ça. C'est bien défendu. Allez, Foden. On y va, let's go. C'est quoi ça, Pierre? Bien joué. Voilà. Voilà. Bien joué. Bien joué. Bien joué pour Kevin De Bruyne. Et cette fois-ci, dans ce match, les gars, c'est Kevin De Bruyne qui met un doublé. Bon, premier match, c'était Foden triplé. Haaland doublé. Deuxième match, c'était Haaland triplé. Là, c'est Kevin De Bruyne doublé. Il reste encore un tout petit peu de temps pour qu'il mette le triplé. Mais bon, je pense pas que ça va être suffisant. Mais bon. On y croit quand même. Bien joué. Allez.
à jouer dans le temps réglementaire. Oh les gars, triplé de De Bruyne, il a réussi à le faire alors qu'il restait que 4 minutes. 5-0. Encore 5 buts marqués dans un match. On est vraiment trop fort. Donc Foden triplé, Alan triplé, De Bruyne triplé. C'est un épisode parfait les gars. Notre trio offensif, ils ont mis un triplé chacun dans chacun des matchs qu'on a joué. Donc magnifique, on a pris toutes les balles de chaque match. On est des voleurs de ballon. Donc écoutez, c'est parfait. Hein. 3 victoires. Une qualification en 16e de finale de FA Cup. 6 points pris sur 6 en championnat. On a 2 points d'avance sur Liverpool encore. Prochain match contre Aston Villa là-bas, ça va être chaud. Et ça sera dans le prochain épisode. Là, je vais juste mettre Declan Rice sur la liste des prêts. Declan Rice, ouais, ajouté à la liste des prêts, voilà. Et donc les gars, on se dit à très très vite pour un nouvel épisode. Ciao!